Wow, c'est extraordinaire. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyansoupana. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui c'est samedi, regardez, le samedi il est 18h53. Là, je vais sortir pour aller voir ce qui se passe la nuit, ce qui se passe en fait dehors après le déconfinement à Abidjan. C'est un truc de ouf. On va aller voir comment ça se passe. Et si vous avez vu cette vidéo, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Soyez prêts. Allons-y. Ok, comme vous pouvez le voir, là maintenant, je suis prêt et je ne peux pas partir. C'est possible que dehors soit vraiment noir parce qu'il fait nuit, bien évidemment. Mais nous ferons notre effort pour essayer de vous montrer ce qui se passe, comment les gens vivent ça, comment la vie reprend. C'est parti. Ok, let's go. Ok, comme vous pouvez le voir, là, nous sommes à la tombée de la nuit. Et déjà, les gens sont chez eux, tranquilles. Mais allons-y, marchons. Et on va voir ce qui va se passer, comment les gens se comportent. Ok, soyez prêts. Ok, là, comme vous pouvez le voir, je suis dehors. Et on entend un peu de musique un peu partout. J'essaie de profiter de ce moment, prendre de l'air, pour bien un peu tout ce qui s'est passé et tout ça. Là, nous sommes carrément dans le noir. Juste là, dans le noir, comme ça. Un truc de ouf. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mais vous ne voyez pas, c'est la nuit. Ouais, ne vous inquiétez pas, bientôt vous verrez un peu la lumière. Allons-y. Ok, je vais plutôt entrer dans la lumière, regardez déjà là-bas. Voilà, là vous me voyez un peu. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Là c'est la lumière. Et voilà un peu partout, un peu à gauche et à droite, vous voyez. Voilà, tout le monde essaie de se remettre sur pied. C'est pas facile, mais c'est vrai, mais... Après le déconfinement, même le chien, regardez le chien là-bas, regardez même le chien, il est même chaud, il est même plus chaud que vous, les autres pour prendre de l'air aussi. Ça, c'est Abidjan, après le déconfinement, n'était pas du commun. Bon, on va aller encore plus loin, on va voir ce qui se passe. Let's go. Là, c'est la nuit, après le confinement. Vous pouvez le voir, les véhicules sont en train de... Voilà. La vie reprend ici. C'est extraordinaire. Voilà. Les activités reprennent. Il n'y a plus de couvre-feu. Ils ont levé le couvre-feu ici. Du coup, les gens peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Waouh. C'est extraordinaire. Bon, on est un peu loin pour voir ce qui va se passer. C'est parti. Ok, comme vous pouvez le voir, je suis sur le pont. Regardez sur le pont. Regardez les gens qui partent, il y a les voitures, les gens là. L'activité reprend petit à petit. Voilà. De l'autre côté, on peut voir les véhicules, les gens qui viennent. Et ça reprend. Il y a beaucoup de bruit ici, il y a beaucoup de vent. C'est un truc de ouf. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça avance. Les activités reprennent petit à petit. Et c'est une bonne affaire. Voilà, là nous sommes dans la nuit. Et voilà. C'est exactement ça. Bon. Ok, c'est cool. Là, c'est Abidjan dans la nuit. Okay. Intéressant. Bien, je vais maintenant aller dans un kiosque pour acheter quelque chose pour la nourriture. C'est parti. Comme vous pouvez le voir là, ils sont arrivés à un kiosque. Voilà.
Là, vous me voyez, ou un peu derrière, l'activité reprenne petit à petit. Je suis en train d'essayer de doubler un peu ces affaires. Sinon, prendre leurs précautions pour éviter la propagation de cette affaire d'être une chose invisible. Bon, ok. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser votre j'aime maintenant. Après ça, on va aller vous explorer d'autres endroits pour voir ce qui se passe après ce que l'activité reprenne. Et vous allez voir, ça va être chaud. Et ça se passe dans la nuit. Waouh! Si vous aimez aussi de telles vidéos où on se balade un peu dans la ville, dans le pays, vous voulez qu'on vous montre beaucoup de nouvelles choses, restez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Sinon, laissez beaucoup de j'aime, vous faites savoir que vous avez aimé. Ok, c'est prêt. Hein? Après, ça va aller acheter, je pense, quelque chose d'autre. Bon, on va voir. Ok, là je viens d'entrer dans la cité. On attend même, je viens d'entendre le son de qui là, de gens qui se trouvent dans les mosquées là. Comment on les appelle souvent? C'est-à-dire, comment on appelle celui-là même qui dirige les mosquées? Vous êtes peut-être pu la voir. Ça veut dire que les mosquées ont réouvert parce que les lieux de prière étaient fermés à cause de tout ce qui se passe, vous voyez. Et on dit c'est réouvert. Ça peut, on nous a demandé que c'est passé de 50 à 200 personnes maintenant. Donc, d'où on peut retrouver uniquement 200 personnes dans une mosquée. Voilà. 200 personnes, et puis voilà, ça va. Quand les activités reprennent, les gens sont en train de se balader un peu. Waouh, ça va arriver. Bon, on continue. Waouh. Là, j'essaie de marcher un peu. Ah, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à acheter quelque chose. Bien. Là, là, du coup, là, on continue le chemin. Ok, soyez prêts pour la prochaine. Dès que j'arrive à la maison, je vais vous faire signe. C'est parti. Ok, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. Waouh, ça n'a pas été facile. Mais nous sommes de retour. J'ai pu acheter quelque chose. Parce que je me rends compte qu'en venant à la maison, le sachet, il y a un sachet à l'intérieur qui est percé. Vous vous rendez compte que les éléments même qui sont à l'intérieur, la nourriture était même tombée comme ça sur le sol. Il n'y a que deux filles qui, en marchant, ont pu ramasser mes achetés. Bon, au passage, un coucou à ces filles-là. Si vous regardez cette vidéo, merci. Merci à ces filles-là. Et waouh, c'était chaud. Hein. Bien sûr, la vie reprend. Les gens, j'essaie de vaquer les occupations. Et bon, ça va. En tout cas, ça tombe bien. Ça tombe bien. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime. Et si vous aimeriez qu'on fasse une autre vidéo pour vous montrer un peu le pays, peut-être qu'on va se déplacer, voyager, faire des trucs pareils. Et ça va être chaud. Qu'est-ce que c'est le truc? Bon, ok. Rendez-vous pour la prochaine vidéo maintenant. Let's go. Demain, 18h00. Une autre vidéo maintenant. Sur. Merci beaucoup. C'est parti.